Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du violet, la couleur qui est clivante par excellence. Quand on fait des sondages, etc., elle arrive en deuxième parmi, après le brun, parmi les couleurs les plus détestées, c'est pour vous dire. Mais le violet est de plus en plus présent dans les offres prêt-à-porter. En 2022, il a été élu couleur de l'année, il s'appelait le Very Perry. C'était un violet assez intense. Le problème, c'est que quand on parle de violet, beaucoup de gens ont un mouvement de recul. C'est pas étonnant, parce que le violet charrie avec lui énormément de références et des références assez, enfin, aussi positives que négatives. Donc c'est normal d'avoir une sorte d'ambivalence par rapport à cette couleur. Par exemple, je vais vous citer deux, trois choses auxquelles on peut penser ou qui sont liées au violet. À la fin, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, l'image du violet, l'image globale, l'image qu'on peut se faire de manière collective, elle est un peu bizarre. J'y vais alors, je vais vous citer des trucs. Donc le violet, c'est Saint-Laurent, c'est le taffetas, c'est une silhouette très 80s qui à l'époque avait fait mouche, qui aujourd'hui fait assez daté. C'est la couleur des empereurs romains, c'est le triangle violet dans les camps de concentration pour les témoins de Jéhovah, c'est la couleur d'emballage de Cadbury, c'est la couleur préférée de Cléopâtre, la couleur préférée de Monet, enfin l'une des couleurs préférées du peintre Monet. C'est Purple Rain de Prince qui avait été écrite contre l'apartheid. Enfin, vous voyez, c'est la couleur de la pénitence dans la religion catholique. C'est la couleur qui est à l'inverse du rouge en Chine pour qui est la légitimité. Le rouge, c'est waouh. Le violet, comme c'est pas une couleur primaire, c'est une couleur qui est. Enfin, il y en a deux en fait, c'est du rouge et du bleu. C'est une couleur qui est un peu méprisée. C'est la couleur du deuil et en même temps dans le feng shui c'est la couleur de la spiritualité, de quelque chose d'apaisant, de serein. Donc, vous voyez, toutes ces c'est la couleur qui était appréciée par les courtisanes, c'est le pourpre de la royauté, c'est Henri VIII qui interdit à quiconque de porter du violet, il n'y a que lui qui a le droit d'en porter. Donc c'est le côté aussi très privilégié parce que le violet, pour obtenir le violet avant, ça venait de petits mollusques qu'il fallait récolter. Et ils avaient une toute petite glande où dedans il y avait une substance violette. Donc il fallait à peu près, je l'ai noté, c'était à peu près 1200 mollusques juste pour pouvoir colorer un vêtement. Donc c'était vraiment réservé à l'élite de chez l'élite. Donc ouais, pendant très longtemps, vu que le violet, on n'arrivait pas à le trouver dans la nature, on le faisait avec du jus de myrtille, mais ça ne faisait pas un vrai violet. On le faisait avec du jus de betterave, mais ça faisait plutôt un pourpre. Voilà. Le vrai violet, obtenu via la sécrétion de ce mollusque, était réservé vraiment à la royauté la plupart du temps. Donc vous voyez, le violet, il a tout ça. Donc beaucoup de paradoxes parce que on a ce côté extrêmement privilégié. La reine d'Angleterre, elle en portait. Et avant, je vous dis, c'était les empereurs, etc. Et à partir du moment où on a trouvé, c'est Perkins qui, dans les années 1800 quelque chose, c'est un scientifique, c'est un chercheur, il cherche un remède contre la malaria. Il fait ses trucs et tout, et à un moment, en faisant toutes ces petites expériences, il y a quelque chose une substance qui sort et c'est violet. Et en fait, il vient de trouver le bon combo pour créer un colorant synthétique violet. Donc, il trouvera pas le remède contre la malaria, mais il va trouver donc ce colorant qui va le rendre super riche. Mais c'est un colorant de synthèse qui est très facile à reproduire. Donc, d'un coup, le violet s'étend. C'est plus du tout quelque chose pour l'élite. Non, et c'est la folie du violet. On en voit partout et à tel point que il va avoir un effet un petit peu, voilà, un peu trop de violet. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le violet, il n'est plus du tout pour privilégier. Il est très facile d'accès. Après, il n'est pas
C'est pas facile d'avoir un joli violet et c'est là tout le problème. On a toute une gamme de violets qui ont du violet le plus clair, donc un lilas très pâle au plus pourpre. Et dans toute cette gamme, il y a à boire et à manger. Et c'est pas facile de trouver un très joli violet. Donc quand vous en avez un qui vous tape dans l'œil dans l'offre prêt-à-porter, allez-y. Parce que, ou que ce soit en fait, que ce soit la fast fashion, que ce soit au rayon enfant, que vous le prenez en 16 ans, que ce soit sur une brocante, quand vous voyez un beau violet, c'est rare. Donc ne ratez pas l'occasion de vous l'offrir si vous aimez cette couleur ou si elle vous attire. Parce que moi personnellement, à la base, je pensais ne pas l'aimer. Mais j'avais un rapport comme ça un petit peu ambivalent parce qu'elle m'attirait quand même. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'avec dans certaines nuances de violet et avec certains combos de couleurs, ça peut vraiment faire des trucs très très jolis. Donc, il faut rester ouvert. Parenthèse fermée. Donc, le violet, voilà, ambivalent, plein de références différentes. Donc, je vous ai dit, le violet, c'est du rouge plus du bleu. Bam, ça donne du violet. Donc, ce n'est pas une couleur primaire, c'est une couleur secondaire. Sa couleur complémentaire, c'est le jaune. Officiellement, elle se marie bien avec du vert, avec du bleu. Ça, c'est vraiment ce qui est marqué dans les bouquins sur les couleurs, etc. Dans la pratique, ça marche peut-être en déco, hein, mais dans les vêtements, c'est plus compliqué que ça. Du vert ou du bleu ou du jaune, il va falloir vraiment aller sur des nuances et pas aller sur les couleurs... un jaune fort ou un vert pas très subtil, là, ça ira pas. Donc le violet, je vous ai dit comment on l'obtenait. Touk, touk, touk. 19e, c'est la démocratisation. Et donc, on se retrouve avec donc plein d'offres, plein de violets possibles. Le problème du violet, c'est de savoir, parce que vous voyez, quand on s'intéresse à la colorimétrie, ce qui n'est pas trop mon cas, ce qui est le cas de Charlotte Moreau, si vous avez envie de creuser le sujet, elle est très forte pour ça. Parce que c'est une couleur ni chaude ni froide. En fait, qui peut être chaude et qui peut être froide. Si elle est très dosée en rouge, elle va être chaude. Si elle est très dosée en bleu, elle va être froide. Et après, il y a toutes les nuances possibles. Elle va être de plus en plus chaude, elle va être de plus en plus froide. Okay. Personnellement, moi, je trouve que les violets plus dosés en bleu sont plus jolis, sont plus subtils, sont plus élégants. Donc c'est des bleus, c'est des violets, entre violet et indigo. Je les trouve plus intéressants que ceux qui vont aller vers un pourpre, qui vont jouer avec du magenta, tout ça. Je trouve ça moins subtil, moins intéressant aussi pour faire des mix and match de couleurs. Et c'est ma transition. Parce que donc, je vais vous parler de quelques combos qui, à mes yeux, permettent de sortir le violet de ses, comment dire, des idées reçues qu'on peut avoir sur lui, c'est-à-dire quelque chose d'assez vulgaire, parce qu'on a beaucoup vu de violet traité de manière ultra vulgaire dans les années 2000 notamment. Du violet porté avec du noir, qui est, à mes yeux, vraiment un truc... dark, en fait, vraiment qui manque de fraîcheur, mais genre vraiment qui asphyxie. Mais bon, les gens portent du violet avec du noir. Why not? Enfin, moi j'ai envie de vous proposer d'autres combos qui, à mes yeux, offrent au violet une nouvelle vie. Et pour ça, rien de mieux que de les jeter un œil sur les défilés et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et notamment chez Dries Van Noten. Dries Van Noten, coloriste de génie s'il en est. Et donc là, le premier combo dont je vais vous parler, c'est le kaki plus violet. Dries Van Noten, il nous propose une chemise kaki qui plus terreux que végétal. D'accord ? Et son violet, il est vif. Et je pense qu'il est légèrement satiné. Peut-être que c'est une broderie qui doit être légèrement satinée. Et là, ça marche à merveille. On a quelque chose d'organique, donc de naturel, de légèrement éteint. Et le violet vient là, qui n'est pas un violet dilué, qui est un violet pétillant, vient, télescoper cette couleur un peu terreuse
avec sa sophistication, son pétillant, et on a vraiment une rencontre, une belle rencontre. Ça pourrait être décliné sur un treillis de cette couleur-là avec un petit débardeur violet et pourquoi pas à sequins. Vous voyez, on peut toujours faire de l'utilitaire. Si on a du très utilitaire, on peut faire du glamour disco. C'est en petites pièces. Okay, je vais vous montrer là l'importance avec le violet de bien choisir les teintes. Regardez ce look-là qui est un look J.Crew. Il fonctionne bien moins bien que le look Dries Van Noten. Pourquoi? Parce que les deux teintes n'ont pas de son. Comment dire? Le violet manque de vibration et le kaki n'a pas choisi son camp. Il devrait être, à mes yeux, ou plus kaki ou plus clair. Donc, il faut faire attention. Il faut que les deux couleurs associées aient une petite particularité. C'est mixer des basiques avec le violet, c'est rarement saignant. Il manque quelque chose dans la tenue. Choisissez un violet pétillant et un kaki pas complètement basique, ou bien mousseux, ou terreux comme celui de Dries Van Noten. Et donc voilà. Après, on a aussi avec donc le vert. Le vert. Vous allez me dire, c'est une déclinaison du kaki, effectivement. Le vert. Déjà, ça semble assez évident que ça puisse que le violet puisse se marier avec le vert parce que on le trouve dans la nature et la nature fait rarement mal les choses. Donc les iris. Les iris ont un violet magnifique et leur tige est verte. D'ailleurs, on peut penser aux iris de Van Gogh, qui est donc très 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 beau tableau. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Donc le violet, il a plusieurs nuances, mais dans les deux nuances, il y a un violet très vif, très intense. Et le vert. Le vert, c'est pas un aplat. C'est pas un vert saturé. C'est pas un vert mélangé à du jaune ou très fort. C'est pas un vert mentalo, non. C'est un vert dilué, un vert sauge, un vert doux, un vert avec des nuances. Et ça permet au violet d'exister dans toute sa force et au vert de ne pas le concurrencer, de juste l'accompagner. Parce que regardez ce look-là. Vert plus violet, deux aplats. Les deux couleurs sont aussi fortes, elles se combattent et on ne voit que ça. On ne voit même pas le visage de la personne. On ne voit même pas la tenue, non. On ne voit que cette bataille, ce clash entre ces deux imprimés. Et donc, pour moi, quand il y a une tenue qu'on regarde une tenue et qu'il n'y a qu'une chose qui nous marque et que ça bloque la visualisation du reste de la personne, c'est qu'il y a un problème. Donc, je pense que ce n'est pas intéressant de mixer le violet avec une couleur qui est sur la même intensité. Mais par contre, je vous dis, là, comme sur les iris de Van Gogh, si vous trouvez un violet bien vif, et avec un vert sauge, un vert, toutes les nuances de vert, pas vif du tout, pas un vert pomme. Hein. Non, non, les verts, un vert sauge, ce serait parfait. Est-ce que je vous ai dit, tac, ouais. Je pensais que j'avais oublié de vous dire un truc. Un petit truc aussi par rapport au violet. C'est toujours plus facile avec ce genre de couleur qui est donc clivante, forte, chargée en référence plus ou moins cool, c'est plus sympa de le consommer en imprimé. Ou alors un imprimé violet qui est travaillé avec une nuance d'un autre violet plus clair, donc avec un bleu très très dilué. Donc on reste dans la même harmonie de couleurs, là comme chez Dries Van Noten, on a une robe en entier, elle couvre un peu les bras, elle descend mi-mollet, donc elle est couvrante, et elle est violette, mais ça ne pose aucun problème, parce qu'il y a un imprimé, donc il se passe quelque chose dans la robe, c'est pas un aplat qu'on se prend dans la figure, c'est comme en poterie quand on fait un émail, où on a un émail opaque, et il se passe pas grand chose, et moi personnellement ça m'intéresse pas beaucoup, alors que quand on met certaines substances, dans l'émail,
à l'intérieur de l'émail, les pigments, il y a une réaction chimique qui fait que il y a des sortes comme des petits feux d'artifice, voyez. Et on ne sait jamais comment ça va se passer, le résultat qu'on va avoir. Et c'est ça qui donne une couleur ou une texture vraiment intéressante. Et c'est ça qui se passe avec le violet quand quand on a une pièce, comment dire, enfin une forte et couvrante. Il vaut mieux avoir quelque chose, un violet, où il se passe des choses à l'intérieur. Ou alors, là, sur cette robe de Caroline Issa, il y a une broderie qui n'est pas violette, qui est blanche, qui est légère, qui laisse beaucoup de place au violet, mais qui en même temps l'aère. Cette robe, si elle était totalement violette, on n'aurait pas du tout le même effet. Là, on a quelque chose de très frais et en même temps, le violet lui donne beaucoup de force. Parce que la broderie, ça peut vite faire enfin, un peu trop girly, un peu trop, voilà, un peu trop premier degré. Là, une broderie avec une broderie comme ça, c'est-à-dire prime sautière, mais enfin, bien, comment dire, floral, mais pas premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas partout. En plus, il y a un travail au niveau de la disposition de la fleur. Bref, ce genre de, on dirait des fleurs qui de brodées qui ont été brodées sur un napperon. On l'imagine sur un napperon, et non, on a ce violet qui arrive derrière et qui crée vraiment là un vêtement fort, complètement intemporel, avec un vrai ADN, une vraie âme. Et c'est ça qu'on recherche dans la mode. C'est vraiment ça, à mes yeux, qu'on recherche dans le vêtement. À l'inverse, regardez-moi cette robe de soirée. Diane Kruger, elle est très jolie, Diane Kruger, il n'y a pas de souci, mais il y a un côté indigeste. Il y a un côté ouf, too much, en fait. C'est imaginer cette robe avec des tout petits points à différents endroits de blanc ou de bleu ciel, vous voyez. Ça aurait été vraiment différent. Pareil, ce look-là, ce tailleur violet. C'est indigeste. C'est vraiment indigeste. Donc, évitez les tenues complètes en violet. Le total look, on le réserve à Feu Elisabeth II et paix à son âme. Donc, je ne pense pas que les prochaines reines vont s'y risquer. Et moi, je ne vous le conseille pas. Il faut aussi savoir que, évidemment, comme beaucoup de couleurs un peu fortes comme ça, un des meilleurs moyens de l'apaiser, c'est de la mixer avec du blanc. Ou vous avez un pull et vous laissez dépasser un peu le col blanc de votre t-shirt, ou vous laissez dépasser une chemise, ou les manches d'un t-shirt long. Ou vous choisissez une pièce où il y a un imprimé où le blanc et le violet sont déjà mariés. Ça évite que le violet soit trop imposant. Et le fait que ce soit du blanc et pas une autre couleur, ça permet que le mix violet-blanc est très facilement, on peut très facilement l'associer à du jean, à du kaki. Vous voyez, on n'aura pas de problème. Le blanc s'associe avec tout. Alors que si le violet est associé dans l'imprimé à une autre couleur, ben là, il faudra un peu plus se creuser la tête pour l'associer à la pièce, qui ira avec. Alors, on arrive là sur un combo qui me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, c'est toujours, on a notre violet bien intense. Notre violet bien intense. Dans les petits traités sur la couleur, ils disent qu'on peut mixer le violet au rose. Et c'est vrai, on peut mixer le violet au rose. Sauf que rose plus violet, fait à la mode J.Crew, comme je vous montre là. Et quand c'est pas. Il n'y a pas une troisième couleur qui vient là pour déranger un peu, pour mettre un peu de piquant. Eh bien, on a un petit côté chamallow, on a un petit côté rencontre de lavette pour nettoyer la vaisselle ou nettoyer les trucs. Vous voyez, enfin, on a un petit côté ménager comme ça qui n'est pas hyper glamour. Et alors que lorsqu'on ajoute à ce duo du orange, un orange. Pas un orange vif, plutôt un orange brique ou un orange mandarine, vous voyez, ou un peu orange brûlé. Orange brûlé, c'est parfait. Là, le trio fonctionne super bien. On n'est pas, on évite ce petit premier degré qu'on avait dans le rose violet, qui était, voilà, pareil, pas très digeste. Par contre, avec une pointe d'orange, imaginez le look J.Crew que je vous ai montré, vous changez. La pochette qui était grise, blanche, pas une couleur indéfinie, par une pochette orangée, orange brûlée, à sequins. Et là, il se passe vraiment quelque chose de différent.
avec les escarpins en blanc, là, ça peut vraiment, c'est vraiment canon. Et donc, chez Elisa Nalan, le look qui m'inspire là pour ça. Donc, violet plus rose plus orange, c'est très joli. Sachez après que le rose, c'est mieux si on le choisit plutôt assez pâle et plutôt qu'un orange, un rose vif. On préfère un rose layette que voilà, qu'un rose stabilo, ça c'est sûr, parce qu'après sinon on va se retrouver toujours avec ce duel au sommet de couleurs qui fortes. Et c'était un petit pull, je pense que c'était un pull Dries Van Noten, un sweat. Pareil, là, un violet et le rose, c'est un vieux rose. Alors si ça avait été juste violet, vieux rose, je pense que ça n'aurait pas eu beaucoup d'impact, mais il sauve la mise parce que le rose a des reflets parce qu'il est à sequin. Alors, je vous dis vraiment, le violet avec une couleur qui, elle, a des reflets, et notamment si c'est une couleur qui fonctionne bien avec le violet comme le rose, on atteint quasi la perfection, d'accord? Donc, rose-orange, rose pâle, orange brûlé, violet, nickel. Violet avec du vieux rose, mais le vieux rose, il faut qu'il soit texturé. Ça peut être du velours, ça peut être du sequin, des sequins, du lurex. Moi, j'imagine très bien une robe imprimée rose plus orange, des sandales violettes, et puis c'est bon, nickel. Ou un short violet en éponge, avec une chemise rose pâle d'homme, un peu de noculotté, tout ça sur les bras, noué sur le devant, et un collier orange. Des baskets blanches. Ouais. Vous voyez ces combos-là, ils sont vachement bien. Pour l'été, c'est nickel. Ça fait ressortir le bronzage, c'est vivifiant, ça change de l'ordinaire. Et à chaque fois, c'est des petites pièces, là, le violet. Comme ça, on ne prend pas de risque. C'est des sandales, c'est un short assez court. Le short, l'éponge, le violet, comment dire, infusé sur de l'éponge, c'est vachement sympa. Bref, autre combo que j'aime beaucoup, c'est le violet avec du jaune, mais du jaune très pâle. Pas du jaune poussin, pas du jaune citron. Du jaune vraiment très pâle à la limite de la coquille d'œuf. Très très pâle. Non, coquille d'œuf, ça serait plus nude. Ouais, vraiment très pâle. Et du caramel. Donc, jaune très pâle, violet, caramel. Caramel, on a le caramel, c'est le côté gourmand, organique, voyez. Le jaune très très pâle, c'est, on a quelque chose de poétique, de délavé, de quasiment effacé, qui est presque romantique, mais romantique mélancolique. Et le violet qui arrive et qui unit les deux avec son côté vivifiant. Qui est plein de bonnes énergies, et on a un combo là qui peut être décliné de plein de manières différentes avec plein de vêtements différents, et qui pour moi est vraiment une bonne base pour utiliser le violet. Par contre, quand on utilise le jaune vif ou intense avec du violet dans les milieux un peu chic ou à des mariages, on peut le voir, ou à des courses de chevaux, ce genre de choses. Chez Marc Jacobs, il l'avait fait. Je trouve qu'au quotidien, c'est pas très fluide. C'est pas très fluide. Après, je vous dis, dans les codes de je sais pas quel... pour aller voir un match de polo ou j'en sais rien, peut-être que ça fonctionne. Mais au quotidien, c'est plus joli de travailler avec un jaune pâle, pas avec un jaune vif. Imaginez, on peut avoir une jupe plissée midi violette, voyez, un caraco jaune pâle, donc jupe plissée violette, ouais, caraco jaune pâle et sandales caramel. C'est canon. Ou sinon, un pantalon large caramel, mais large un coton bien, comme du jean en fait, mais en caramel. Marcel jaune pâle et avec un fin gilet rayé. Horizontal, violet, blanc. Ouais. Vous voyez, amusez-vous avec ce trio-là, il est vraiment sympa. Après, un autre, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai encore deux qui me plaisent bien, mais ils sont à base de marron.
marron chocolat, bleu canard, touche de rose saumon avec du violet. Donc là, je vous montre. Donc parce que c'est beau, parce que ce sont pas, ce look n'utilise pas de couleurs primaires. Ce sont que des nuances. C'est une nuance de bleu, c'est le orange, c'est pas du rouge, c'est le violet, voilà, il est là, même là sur le look, il est un peu dilué, c'est plutôt du lavande. Vous voyez, on est vraiment dans la subtilité. Et quand on veut associer des couleurs, bien plus heureux et il est bien moins risqué d'utiliser des nuances de la couleur principale à laquelle on pensait plutôt que la couleur brute. Donc là, ce combo, par exemple, bon, qui est là porté sur un homme, est compliqué à adapter à une silhouette féminine, mais on peut penser porter un gilet marron, un peu duveteux, avec une robe légère violette, peut-être plus un lilas qu'un ultraviolet, et des baskets, si on a un gros gilet, robe violette. Oui, les baskets avec un combo bleu canard saumon, ça c'est faisable. C'est faisable vu qu'on peut maintenant customiser nos baskets, il n'y a pas trop de problème. Le top, ça serait de trouver, en fait, ce combo est tellement réussi, je trouve, le violet, orange, bleu canard ou violet, orange, marron, de trouver une chemise ou un bijou ou ce genre de choses qui regroupe les trois couleurs. Comme ça, après, c'est facile. On prend la quatrième couleur, on l'associe et on est tranquille. Et pour finir, pour les associations de couleurs, celle que je préfère vraiment, vraiment, c'est du violet avec du cappuccino et du blanc. On l'avait vu chez Bottega Veneta, ce look-là. Je pense que vous l'avez vu passer. Il est parfait en termes de couleurs. Il est parfait. On a la touche de blanc pour aérer deux couleurs qui sont pas anodines. On a le cappuccino qui n'est pas du marron, donc qui n'est pas trop lourd, qui n'est pas trop chargé au côté chocolat. C'est quelque chose de plus mousseux. Et on a ce violet, donc moi je me réfère, là c'est un violet ouais, un peu lavande, mais le bas est qui tire plus vers un indigo violet. Dans tous les deux teintes fonctionneraient seules, mais on a du mousseux, on a du féminin avec ce violet qui là fait glamour, parce que bon, il est sur une jupe, plus le petit éclair de blanc, c'est parfait. Et je suis contente parce que j'ai réussi à vous trouver de quoi vous le reproduire avec ce pull, donc cappuccino, cette jupe qui est satinée, mais c'est bien. Parce qu'on veut justement un côté reflet qu'on avait dans le cuir. Et puis des baskets blanc cassé. Parce qu'en fait, oui, les escarpins, elles ne sont pas complètement blancs. Ils sont légèrement blanc cassé. Et ça accentue la subtilité du look. Plutôt que d'avoir un éclair blanc très très vif. Et donc voilà, ça c'est à mes yeux. Parce qu'on a tous des couleurs, du blanc cassé et du cappuccino, du marron clair ou du caramel, tout ça. On l'a et on sait. Et porter ensemble, ça peut être très vite un peu ennuyeux. Alors que si on ajoute une touche de violet, on n'y pense pas forcément. Bah, il se passe un truc. Ça peut être des baskets violettes, ça peut être un sac violet, ça peut être une ceinture violette, ça peut être un t-shirt violet. Vous voyez, par petites touches. Ouais. Après, pour finir, les choses que je pourrais vous dire aussi, c'est que celles qui ont peur de se lancer dans une pièce vestimentaire ont tout intérêt à aller vers l'accessoire. Les baskets, ils en ont sorti plein et ça fonctionne super bien. Les sambas, ils en ont fait plein. Une grosse écharpe violette sur un look avec du marron et du jaune. Les bijoux, des boucles d'oreilles, des belles boucles d'oreilles violettes assez minimalistes. Parce que plus c'est minimaliste dans les accessoires, mieux c'est. Parce que sinon, on risque d'aller sur une surenchère de détails ou une surenchère d'ADN. Le violet est déjà très fort. Alors, si en plus, on va sur quelque chose de très alambiqué, c'est un peu compliqué. Sur une basket, l'ADN, c'est sporty. Violet, c'est le violet avec tout ce dont on a parlé avant. Ça se match facilement si on a quelque chose de froufroutant, en croco
enfin, ce que vous voulez, c'est plus compliqué. Ou avec plein de perles en mode folk. Alors qu'une créole en résine, etc., c'est net, c'est clair, c'est violet. Et là, t-shirt blanc, short kaki, c'est parfait. Rien que la boucle d'oreille violette fait exploser en vol la casualness du combo. On n'a plus un no look. Non, on a un look. Oui. Moi, j'aime beaucoup quand le violet est traité aussi sur les pièces sportswear, donc en sweat, en casquette. En short éponge, comme je vous en parlais tout à l'heure, ça permet de casser l'image Saint-Laurent qu'on a. Ça permet de casser le côté très 80s, très satiné, ou le côté vulgaire, voilà, qu'on avait avec les Spice Girls ou ce genre de choses. J'aime bien que le violet soit incorporé dans des looks grâce à une pièce. Bah cool, qui sent, qui comporte, si c'est un sweat un peu large, vous voyez, un petit côté ado, mais pas glamour, voyez, pas premier degré, pas girly, pas overlooké. Non, il doit être traité avec une certaine désinvolture, le violet. Alors, ça va être une désinvolture étudiée, hein, parce que c'est évidemment, c'est pas facile, il n'est pas facile à manier, mais le total look violet, le violet pour les grandes occasions, etc. Je trouve que c'est plutôt à éviter. Il faut plus lui donner sa mise en pratique au quotidien est plus drôle, moins risquée, et on peut se permettre beaucoup plus de choses. Alors qu'un vêtement, un tailleur violet, il y a des gens qui portent du violet complètement. C'est compliqué. Et après, si vous portez aussi du violet avec du noir, avec du gris, ça l'éteint, ça s'éteint mutuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais le violet demande un petit effort en termes de mix and match de couleurs pour en tirer le meilleur. D'accord? C'est ce que je me. Voilà. Donc, ouais, je vous disais, avec le noir, il faut mieux éviter. Le violet est quand même l'une des rares couleurs qui ne fonctionne pas en camaïeu. C'est too much. Un peu un lilas là, un ultraviolet ici, un mauve là, non, c'est too much en fait. C'est l'inverse de la subtilité, ça ne flatte pas, c'est trop pour la rétine, c'est trop pour la personne qui regarde. Ça fait très vulgaire. Bon, donc bon, c'est pas grave, hein, je vous dis, on peut l'utiliser vraiment d'autres manières. Et on met pas sur un leggings ou un truc en velours, enfin très moulant. Vous voyez, on évite le duo sexy violet. On le sort du truc, il faut mieux du boyish violet ou du masculin-féminin violet, mais pas du super sensuel ou de la dentelle ou du satin. Voilà, faut être tranquille. Et juste une. Ouais, et on a aussi vu avec. Parce que ça vient aussi de Saint-Laurent, les côtés color block. Avec le violet, ouais, et il y avait une jolie silhouette, elle était pas ratée cette silhouette, c'était en 2011 chez Jill Sander. Je pense que c'était Raf Simons, robe orange, immense robe orange avec une petite veste violette. Si la robe avait été légèrement mouchetée ou si elle avait été légèrement tie-dye à différents endroits, on serait passé du beau au canon. Donc, de manière générale, évitez les color blocks. Évitez, donc, un color block, c'est deux aplats de couleurs. Si vous avez du violet, ou avec une. Mélangez-le ou avec une teinte diluée, ou avec un imprimé, ou avec une pièce dont le tissu est texturé. Vous voyez, éponge, velours, sequin, vous voyez, où il se passe un truc. Deux aplats, ça ne sert pas bien de violet. Vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette couleur. Enfin, j'ai pas fait le tour, je pense qu'il y a encore plein de trucs à dire. Mais je pense que c'est pas mal pour déjà commencer à bosser avec cette couleur. Et voilà, et à la fin de la vidéo, en dessous de la vidéo, il y aura des liens pour les vêtements que j'ai cités. Comme ça, vous pourrez, ou notamment le look là. Avec la jupe violette que moi je le kiffe ce look, il reste dans ma tête là, je vais essayer de me le faire, je pense.
Voilà. Je vous embrasse fort, passez une super journée et voilà, bah à la prochaine. Ciao!